Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Awaken Astral Blade, où on était passé dans un monde alternatif, où le monde était retourné tel dans un miroir, et nous venons d'améliorer notre épée au niveau max. On ne pourra pas l'améliorer plus, maintenant il faut améliorer les autres armes. Assez d'argent. Et on va donc continuer. Avançons. C'est par là qu'on y va. Déjà. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr aussi. Et quoi? Ouf. Je suis où là? Ah. Merde, je comprends pas ce qui se passe. C'est intéressant par contre. Je suis sûr que c'était pas, t'es pas censé l'avoir tout de suite ce pouvoir. Presque sûr que ce pouvoir t'es pas censé l'avoir ici. On a pas fait le jeu dans le bon ordre, je pense. On a d'abord fait les trucs compliqués avant de faire les trucs un peu plus simples. Ça me paraît très facile d'avoir les... J'aime Violette qui a été polie, ok. Alors ça... Insuffisant de VV, vérifier au point de charge. Ça, hein.
falloir le charger avec plusieurs machins. C'est qu'il en faut. Non, loupé. Faut combien des machins? Oh, c'est bon ou pas? Oui. Oula. Je crois que les appareils antiques seraient vitaux pour ouvrir le portail vers le monde du miroir. Je ne comprends pas ce que je fais. Je comprends pas ce que je fais. Un bionique ici. Qui es-tu? Quel est ton numéro de série? Un bionique, ça? C'est dégueulasse. Ton bras mécanique n'a pas l'air de venir du groupe Orson. Mais qui es-tu à la fin? Comme d'habitude, l'affrontement semble inévitable. Alors. C'est la course DPS. Ok. Ok.
pas. Hein. Ramsat était numéro 104 qui est décédé sous l'autel. Lorsque le monde miroir s'est formé, il a aussi reproduit son image. Cela a entraîné une déformation du bras mécanique qui n'est pas censé être là. De certaines façons, toi et moi sommes l'héritage numéro 104. Peut-être que tu n'es qu'une qui vit, que tu ne possèdes pas l'âme de numéro 104. Au revoir, ce monde n'a pas besoin d'une bionique tourmentée. Ok. Une porte qu'elle gardait, où mène-t-elle ? Je ne sais pas. Comme prévu, il s'agit de la forêt. L'hôtel royal a été ouvert. Le numéro 104 a ouvert le point d'explosion d'énergie. L'énergie de l'hôtel s'est accumulée jusqu'à former un espace intérieur. À certains moments, il a capturé la forêt tropicale. Il a voyagé dans le temps vers le passé. Je ferme le point d'explosion intérieur, connaître le même sort. Pas facile, mon point d'explosion énergétique devrait être inactif maintenant. J'ai rien compris. Module émotionnel numéro 104. Prenons-la avec nous. Le drone me surveille. Essaye d'en échapper, attrape-le. Maintenant que tu as les trois points d'explosion été neutralisés, les trois moteurs du vaisseau devraient être hors service. Le docteur Hervius est obligé d'interrompre ses modifications. C'est le moment de se rendre au vaisseau. Tu hésites. Pour les bioniques contre leur créateur à la dernière étape dans le processus d'évolution. Tu n'as plus besoin de moi pour faire sens dans ce monde. La dernière mission t'aider à prendre la décision la plus importante. En route. Donc là on peut aller dans le vaisseau pour finir le jeu. Avoir une des fins du jeu, parce que ça va encore être un Metroidvania, donc c'est des jeux qui ont un milliard de fins. Cette connerie. Vas-y, je veux pas faire ça, moi. Je veux pas faire des trucs avec du temps, là. Voilà. Quoi ? On continue ? Oui, j'ai décidé de faire le bourrin et de me prendre les coups parce que ça allait plus vite. Non, je n'ai pas honte.
Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Continuer à faire avec des chronos là? Je veux pas des trucs avec des chronos, je veux m'en aller. Je veux pas faire ça. Ça ne m'intéresse pas. Hop, voilà, ça m'intéresse plus, hein. Pour sauvegarder. J'ai 6000 balles. Allez, on va améliorer un peu la faux. C'est quoi la faux? T'as qu'à la faux, cardinal ont 50% de chance d'envoyer un couteau de lancer traçant. Ah ouais. Coup final déclenche également étoile filante. Oh. Sans attaque d'étoile filante augmentée de 100%. T'as qu'à la faux, cardinal ont 100% de chance d'envoyer un couteau de lancer infligeant 50% des dégâts de base. Confère l'hormone après l'utilisation d'un coup. C'est ça l'hormone, d'accord. Un contact gravitationnel à pied sur... Ouais, pour déclencher une surcharge, ok. Les ennemis touchés par étoile filante seront empoisonnés. Attaque à la fois, lance deux étoiles filantes à chaque coup. Ah ouais. Ouais. Je fais comment pour retourner au... Comment pour retourner au lac et tout? Je comprends pas. J'ai plus accès. Je comprends pas ce que je dois faire pour Faut que j'aille là en fait. C'est ça? D'accord. Très spécial. Le coup. Okay, là, voilà. Là, je dois aller là maintenant. Allez hop. On y va. C'est spécial cette histoire de tu dois retourner dans le monde là pour. Bref. Allez. Allons affronter papa. Petit bug graphique là quand même. Alors, j'aime toujours autant ça. Deux machins. C'est quoi là? Sans la pierre, deuil noir.
Je l'avais pas vu. Qu'est-ce qui m'a touché là? Peut-être dangereux de se promener toute seule sur ces îles. Dépêche-toi de retourner voir ta famille avant qu'il t'arrive quelque chose. Donc tu n'as pas besoin de mon aide. De l'aide? Oh, je vois, tu es la bionique du groupe Orson. Je savais que tu me disais quelque chose. C'est Victor qui t'envoie, où est-il maintenant? Il t'attend à Camisa. Il a demandé de donner ça. Hein. Parce que j'ai besoin de ce truc. Avant de me réorienter pour étudier la géologie sur cette île, j'étais une mercenaire renommée sur le terrain. Tout ce qui me fait peur, c'est de ne pas avoir assez de mutants à tuer. Eh bien, il y a quelque chose qui m'intrigue. Dès que j'aurai satisfait ma curiosité, je rentrerai. Prends bien soin de toi. Ouais. Prends soin de moi, ouais, vous inquiétez pas. Vert et maillet rouge. Okay. Gemme décorative aux couleurs ocre. Là, c'est la sauvegarde, ok. C'était que ça qu'il fallait faire? Ok. Ah, si, c'était que ça. Ah, bah, le pouvoir de se balader entre les portails, c'est ça? Il va te servir une fois dans le jeu. Vaisseau Carpas. Ah oui, non, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? C'est ici que j'ai découvert le vaisseau Carpas. Cette découverte a changé le destin de tous. Jaka, le clan du Python Noir, moi, Mollet et le docteur Herveus. Entre, c'est maintenant à toi de décrire ton destin. Désillusion. Un titre comme ça, ce chapitre ne me donne pas envie.
chiant. La restauration de santé, ok. Aïe. Chiant du coup. Bah non, c'était là que je devais aller certainement. Parce qu'on a ouvert cette porte. Le petit chat. C'est chiant, toi. Ma parole. Merde. Mais t'es obligé de l'affronter. C'est vrai que lui, je l'adore. J'adore ce mob. Alors, j'ai 3200 balles. Ça. Donc légèrement à puissance d'attaque, plus 5% et taux de critique de plus 5%. Et une épée. Ça veut dire qu'il y a un défi, c'est ça?
d'accord. Je m'y attendais pas. Labyrinthique tout ça. Vraiment timé au bon moment. On saute. Hop, plus 10. Je vais regarder si je peux pas remettre d'autres équipements sur moi d'ailleurs. Thank you.
Et mon perso, il a fait n'importe quoi là. Elle est où? Je sais pas ce que je dois faire. Parce que... Ah d'accord, on arrive là. C'est le détour quoi. Une fleur. Les gens gelés. On a pas déjà affronté lui? Je crois que si. Il est horrible. Dix fois plus chiant que le premier. Juste parce qu'il te met le gel quoi. Je vois rien. Je ne voyais même plus mon personnage. Le soin, je lui ai demandé un soin. Pourquoi elle s'est pas soignée? Quand j'étais en bas, j'ai demandé un soin. Ah. En fait, il est 10 fois plus chiant que le premier. C'est exactement le même. Ce que je trouve un peu dommage d'ailleurs. Parce qu'ils ont repris le même boss, exactement le même. Mais en fait, il est 10 fois plus chiant juste à cause du gel, quoi. En fait, il y a deux trucs vachement plus chiants dans ce boss, c'est le gel et comment ça s'appelle ? Les plateformes qui se désagrègent quoi. Tu prends ton soin là ? Elle s'est soignée ou pas ? Je sais pas, je vois rien. C'est tellement lent que tu sais même pas si tes animations elles se font quoi. Il est horrible. Le gel, il est horrible dans le jeu. Sérieusement. C'est horrible. Tes animations, elles sont tellement lentes que tu sais même pas si ton personnage a fait son animation ou pas. Ok. Je dois faire quoi maintenant? Ah, il y a un TP. Ok.
Maintenant, je vais faire toute la partie droite, c'est ça? J'ai combien d'argent? Je vais pas regarder. J'ai 10 000 balles. On pourrait peut-être améliorer nos armes. Mais dans les compétences, il y a des trucs que je comprends pas. Bonus de bouclier. Ah, ça me donne un bouclier, d'accord. Ah, j'ai pas l'assaut impitoyable, d'accord. Et donc on n'a pas encore débloqué ce pouvoir là. D'accord. Les coups critiques, le taux d'absorption d'énergie. Jamais racheté le coup de le critique. Attends que le bouclier est actif, mais j'ai pas de bouclier. Cumul d'hormones plus 1, mais j'ai pas... C'est ça qui est bizarre. C'est quoi cumul d'hormones plus 1? Je comprends pas. Là, c'est pas très clair. C'est pas très très clair. Allez alors! C'est comme Gollum, personne ne l'aime. Et... Et... Il fait bien qu'on n'est pas en train de faire un truc qu'on a déjà fait. Ce serait con. Pas pendant une animation.
comprends pas du tout ce que je fais. Je suis complètement perdu avec ces portails. Je sais pas ce que je fais, je sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce que je dois faire du tout. Où est-ce que je suis? Je comprends rien avec toute cette téléportation de ces morts là. Je tourne en rond, j'ai horreur de ça. C'est pas très clair hein, leur machin. Mais tu sais pas te représenter où tu es. Et avec ce gel là, c'est tout bonnement ignoble. Car tu ne sais pas. Enfin, t'as des ralentis, c'est horrible. C'est horrible. Ok, j'ai réussi à y aller. Mais c'est horrible, hein. Franchement. La zone n'est vraiment pas agréable. C'est pas agréable du tout, c'est pas agréable du tout. On a compris que ça éteignait le truc. La zone n'est vraiment pas. La zone du vaisseau est pas agréable du tout. Parce qu'en fait, tu n'y comprends rien, tu comprends pas ce qui se passe. Enfin, moi, je comprends rien donc. J'ai ouvert quelle porte? C'est... Ouais, non, j'aime pas du tout la zone parce que... Franchement, moi qui ai un bon sens de l'orientation, je sais pas du tout où est-ce que je suis. Alors franchement, je plains les gens qui ont pas de sens d'orientation. Franchement, ça doit être horrible pour vous. Ah, j'ai trouvé. Ok. J'ai trouvé le boss, donc tout va bien. Et c'est le même, mais en feu. Je savais même pas où était mon perso donc
dure longtemps son attaque à Jackie. Hein. Sinon, au moment, elle s'arrête ton attaque. Bonjour, je suis un boss et j'ai une attaque qui dure 25 minutes. Oh, il recommence. Avec son attaque de ses morts qui va durer 25 minutes. Le pire, c'est que pendant ce temps-là, tu peux pas l'attaquer, hein. Boss à chier, tu es un boss à chier. Allez, c'est bon, dégage. Ok. Sinon, pourquoi je suis en train d'aller chercher des trucs d'énergie, je sais pas quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que je fais. Hop. Hop. Mais nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.